Depuis plus de 2 millénaires, chaque siècle a marqué la Moselle, à tel point qu'aujourd'hui, il est impossible de parler de ce territoire sans le rattacher directement à son passé, riche et mouvementé. Depuis plusieurs années, mon ambition est d'aller à la découverte de ces vestiges du passé mosellan, aux côtés de ceux qui participent à leur préservation. Historiens, conservateurs, experts ou passionnés, tous sont habités par une envie commune, lever le voile sur les secrets de notre histoire. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Destination Moselle. Aujourd'hui, nous allons aller sous terre. Nous nous trouvons à Metz, entre le Solcy et la tour du Temple de Garnison, située juste derrière moi. Et vous allez voir, nous allons faire une véritable percée dans l'histoire de Metz. J'ai rendez-vous avec Patrick Thiel, adjoint à la mairie de Metz et surtout un fin connaisseur de l'histoire de la ville. Vous allez voir, vous êtes prêts? C'est parti! Eh ben dis donc, je m'emballe un peu quand je parle d'aller sous terre. En fait, pas tout à fait. Nous allons nous rendre sous ce petit bosquet, dans ce petit fortin du Square du Luxembourg, situé juste à côté de l'Université de Metz. Ce bâtiment militaire est construit durant le Second Empire, sous Napoléon III, mais il sera remanié ensuite par les Allemands à la fin du XIXe siècle. Mais tout cela, je vais le découvrir au cours de ma visite. Ce lieu est d'habitude fermé au public. Aujourd'hui, il est ouvert grâce à la ville de Metz. Et c'est Cédric aujourd'hui, le maître des clés et le maître de la lumière qui va nous permettre d'entrer. Bonjour Cédric. Bonjour. Je vous laisse ouvrir. Merci. Et heureusement, vous avez ramené les spots. Nickel. C'est parti. Mon guide du jour, Patrick Thiel, m'attend à l'intérieur de ce fortin, dans l'obscurité de ce lieu d'histoire qui ne reçoit que rarement de la visite. Ici, histoire et vestiges se mêlent et s'entremêlent au rythme de l'histoire militaire de Metz. Ce lieu a donc tout pour me plaire. Même de mauvaises surprises, vous allez le voir. Mais d'abord, j'ai le plaisir de rejoindre Patrick qui m'attend à l'intérieur. Bonjour Patrick. Bonjour Tim, comment ça va? Très bien, et toi? Merci de nous accueillir ici. Alors, on se trouve dans un fort du 19e siècle, hein, c'est bien ça? Oui, mais alors, on est surtout, stratégiquement, c'est assez intéressant, on est juste là. Derrière nous, ouais. La Moselle. La Moselle, la grande Moselle, si j'ose dire. Ouais. Celle du fameux pont des morts, qui est juste à côté. Et puis, on a derrière nous des bras de la Moselle. C'est-à-dire qu'on est sur une île ici. OK. Et ça fait partie de ce qu'on appelle l'île Saint-Vincent, qui a son nom de la basilique Saint-Vincent, en fait. Ouais. Et ici, à cet endroit, au 18e siècle, enfin à partir de 1736 à peu près, ouais, il y avait des fortifications qui ont donc été construites sous Louis XV. Et effectivement, sous Napoléon III, parce que c'est lui qui construit ce grand fortin ici, eh bien, le long des remparts, enfin, qui avaient été supprimés à l'époque. Et effectivement, entre 1833-1836, on a donc cette construction qui est faite ici, qu'on voit... qui est un vrai blocos, quoi. Donc on est vraiment sur, ici, dans un lieu qui est un point névralgique de l'amélioration de la ceinture de fortifications autour de Metz. Oui, sauf qu'on change de stratégie, parce qu'au XVIIIe siècle, il faut se protéger vraiment, donc ce sont encore des murs. Ouais. Sous le XVIIe siècle, on le sait, c'est Vauban qui fortifie la ville, qui sont remplacés, qui se modernisent, parce que Metz est une ville militaire. À partir de 1552, quand le roi de France prend possession de Metz... Henri II, oui. Oui, Henri II, quand il prend possession de Metz, il rentre d'ailleurs ici sous les applaudissements de la population, parce qu'ils ne se sentent pas trop du Saint-Empire romain germanique, parce qu'ils parlent français. Donc ils sont à la fois francophones et francophiles. Donc quand Henri II arrive, poussé naturellement par sa mère, ouais, célèbre Médicis, eh bien, on fait des fortifications encore à cette époque-là. D'accord. C'est-à-dire des murs complets. Alors, il nous en reste quelques brides, si j'ose dire, du côté de la Seille. Tout à fait, oui. Donc, voilà. Mais comme au 19e siècle, notamment sous Napoléon III, on change de stratégie, il nous faut des forts, parce que maintenant, on tire au canon et au pistolet, et puis avec des fusils aussi. Donc, il suffit de faire des forts qui soient à distance en fonction de là où vont les armes, ouais, pour faire une ceinture finalement militaire. Et qui peuvent donc s'adapter aux défenses nécessaires pour la nouvelle artillerie lourde. Exactement, voilà. Et l'artillerie remplace en fait les fortifications au fur et à mesure de leur aménagement et de leur modernisation. Donc voilà, donc on est exactement à la même époque que quand Napoléon crée et érige l'arsenal. Très bien.
Et ben voilà, pour la première partie de l'explication, on continue à s'enfoncer dans Sparta. Alors on y va. Allez, je te suis. Alors il y a l'étoile d'araignée, hein. Oui, bah, on y va. C'est pour ça que tu passes devant. En continuant notre visite, nous passons devant des vestiges des anciens aménagements du site. Portes, encadrements de fenêtres ou encore portes blindées sécurisées ajoutées par les Allemands durant la première annexion qui fait suite à la défaite de la France contre la Prusse en 1870. Ce fortin est constitué de 10 chambres casematées desservies sur l'arrière par une galerie, le tout enveloppé d'un blindage de béton. Ce fortin est l'un des derniers vestiges du front Saint-Vincent. Bon, et rien à voir avec l'histoire des lieux, mais quand même, faut que je vous raconte. Durant la visite, nous faisons également la découverte de centaines d'araignées blanches disséminées un peu partout. C'est étrange et peu ragoûtant, alors pour ceux qui ont peur des araignées, c'est très très angoissant. Voici la preuve. Pendant notre visite, Patrick et moi nous sommes discrètement accompagnés de Cédric, qui nous a ouvert la porte, et de Léonie, attachée de presse de la ville de Metz. Et alors elle, les araignées, c'est vraiment pas son truc. Quand l'une de ces bestioles blanches tombe sur son épaule, voici sa réaction qui vaut le détour, même si nous n'avons que le son. Allez, remis de nos émotions, nous reprenons notre visite de ce fortin, l'occasion de rappeler un peu l'histoire militaire de Metz, qui a beaucoup évolué depuis l'Antiquité, à l'époque de Divodurum. Déjà, sous l'Empire romain, c'était la paix, hein, Pax Romana. Tout à fait. Donc, de ce côté-là, on, bien sûr qu'on défend les villes, hein, c'est sûr. Mais Metz n'est pas encore, je dirais, une ville de garnison au sens plein. Après les Romains, effectivement, la France n'est pas la France, personne n'est rien. Grande époque, c'est Charlemagne. Donc, on a cette période un peu trouble. Et après Charlemagne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce fameux royaume d'Austrasie. Donc, Metz est la capitale, d'ailleurs, pendant un temps. Et la capitale. Et ensuite, nous allons passer sous un autre régime. On est une ville protégée par un empereur très loin, qui est l'Empire du Saint-Empire romain germanique. Et il faudra, on va devenir aussi une ville où l'évêque aura son importance, etc. Une ville libre, et puis instauration de la République messine. On chasse l'évêque à Vic-sur-Seille. En 1234, Et puis, on devient une république, la République messine. Donc, on est à la fois une terre de capitale de royaume, l'Austrasie, puis une république indépendante. Et en fait, ce que tu dis, mon cher Timothée, c'est-à-dire à partir de 1552, c'est là que le roi de France, ayant pris possession de la ville, si j'ose dire, enfin possession naturelle, il vient ici, il est salué, tout va très bien, que là, on va en faire un bastion. Pourquoi? Parce que la réaction, évidemment, de Charles Quint n'était pas très sympathique. Bah disons, qu'est-ce que le roi de France vient fiche ici, enfin, etc. Pourquoi il le prend la de vie et qu'il perd, d'ailleurs. Et puis ensuite, il a son étoile un peu déclinante. Et le royaume de France va se dire, bah, maintenant, il faut qu'on garde ce bastion qui regarde vers l'est. Et c'est là qu'on va devenir une ville de garnison. Nous continuons notre visite avant de retrouver l'extérieur. Non pas parce que nous avons peur des araignées, mais parce qu'il faut aussi parler de ce quartier. Un quartier qui voit le jour au XVIIIe siècle. Plus tard, au XIXe siècle donc, ce fortin a eu pour vocation de protéger l'entrée de la ville par le Grand Pont des Morts. Sur le chemin de la sortie, je remarque d'ailleurs tous ces câbles qui parcourent l'intérieur du fortin. Évidemment, ces installations ne datent pas du Second Empire, il s'agit en fait des anciens répartiteurs téléphoniques du central de la place de Metz qui avaient été installés ici dans les années 30. Continuons maintenant cette émission à l'extérieur, il y a là aussi beaucoup à dire. Alors Patrick, nous aussi revenus à l'extérieur hein, de ce fortin Luxembourg et on se trouve donc dans un lieu qui est important, alors là au 19e, mais ici dès le 18e siècle puisque c'est à cette époque que le maréchal-duc de Belle-Île
duc des Trois Évêchés, gouverneur des Trois Évêchés, va transformer la ville de Metz et l'étendre notamment ici où nous nous trouvons. Oui, et alors là, à la place de ce fortin, on avait naturellement un petit peu plus loin peut-être, on avait effectivement les fortifications. Le rempart. Le fameux rempart qui enserrait la ville. Et là, alors ce qui est très amusant aussi, c'est que les fenêtres, en quelque sorte, de ce fortin ont été recouvertes de ces gros volets de fer. C'est assez extraordinaire. Le maréchal duc de Belleisle, quand il arrive à Metz, il va véritablement transformer la ville. Oui, bien sûr, pour en faire une belle place forte avec, en tous les cas, de belles perspectives. La place d'armes, l'opéra, et on pourrait citer encore bien des monuments. Et puis, alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au XVIIIe siècle, vous voyez, par exemple, là, on a une maison qui ne fait qu'un étage, un rez-de-chaussée, un étage, elle est basse. Et toutes les maisons que vous avez ici, qui sont relativement basses, sont du XVIIIe siècle. Celles qui sont plus hautes sont du XIXe, voire du XXe siècle. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de maison. C'est simplement que ça a changé de maison, peut-être. Hein. Voilà. Mais c'est assez intéressant. Et là, on retrouve cette idée qu'on avait des remparts et il ne fallait pas que les boulets détruisent les maisons. Donc, elles étaient assez basses. Et puis, surtout, ça ne se voyait pas depuis la Moselle si les attaques étaient arrivées par là. Voilà. C'est vrai, ça risquait de cacher la vue. Alors ici, on a donc du 18e, du 19e avec donc ce fortin Luxembourg et du 19e également avec cette immense tour dont je parlais dans l'introduction. Oui, cette immense tour, qui est la flèche du temple de garnison. Exactement. Qui lui a été construit dès après 1870. En 1875, elle commence. 1875, ouais. On commence à édifier cette tour. Donc c'est le premier temple hein, avant le temple neuf qu'on connaît, qui lui sera inauguré en 1905. Et alors cette flèche du temple se veut plus haute que la cathédrale. C'était la grande fierté des Allemands d'ailleurs. Eh bien bien sûr, mais surtout des protestants. Parce que c'était un temple protestant qui a été détruit par un incendie en 1946, 45, 46. En tous les cas, la démolition a suivi cet incendie. Une démolition partielle. Il me semble que c'est parce que finalement, ça revenait extrêmement cher à détruire et on a fini par se dire, on va tout enlever. Et alors, il y a eu un moment où on s'est interrogé, c'était dans les mandatures de Jean-Marie Roche, s'il fallait restaurer cette tour, ce qui a été fait d'ailleurs, ou s'il fallait finalement s'en débarrasser. Effectivement, donc dans les années, ça devait être dans les années 90 à peu près que cette question a été posée. Je me souviens même que le journal avait fait un grand référendum, voulez-vous garder la tour? Et évidemment, tout le monde voulait garder la tour. Et heureusement. Et alors, heureusement, parce que c'est assez emblématique de l'image de Metz, surtout quand on vient de l'autoroute. Oui. On voit bien sûr cette cathédrale qui émerge et qui mérite bien son éclairage pour faire la lanterne du bon Dieu. Il faut qu'on la voie de partout. Et puis alors derrière, construit par les Allemands aussi, on a cet hôpital qui était tenu par des diaconesses protestantes également et qui a été construit un petit peu après ce temple et qui est aujourd'hui l'hôpital Belleisle. Alors, on parlait justement à l'instant de cette période allemande. La période allemande, elle a transformé énormément de choses à Metz. Bien sûr, elle a même transformé son urbanisme parce que Metz était sain de ses remparts, je dirais, y compris des remparts Vauban. Et on en a fait le fameux ring, comme on dit à Vienne ou à Berlin, c'est-à-dire cette rue qui entoure la ville et qui permet, je dirais, de faciliter la circulation. Notamment l'avenue Foch. Et on en bénéficie encore aujourd'hui avec, je dirais, cet ensemble qui va du Pontifroy, du boulevard Pexan, de l'avenue Foch, etc. et qui fait le ring de Metz. Et on en bénéficie tous les jours. Bien sûr, avec bien sûr. Une circulation automobile qui est assez fluide. Et si tout le monde ne se mettait pas à sortir entre 16h30 et 18h, ça serait encore plus fluide. ça vaut pour toutes les grandes villes. Hein. Alors là, on parlait bien sûr de l'aspect circulation. Il y a l'aspect architectural aussi. Le quartier impérial allemand aujourd'hui est l'une des figures emblématiques de la ville de Metz. Bien sûr. Alors, et je sais que tu y es très attaché d'ailleurs. Comme on fait un lien en ce moment entre Napoléon III et Guillaume II, parce que c'est surtout lui qui a construit et qui a fait ces transformations, contrairement à son grand-père le premier, Guillaume, qui a été lui l'envahisseur, même s'il était poussé largement par Bismarck, il n'y tenait pas tellement. Mais enfin, on y a gagné ce beau quartier, on y a gagné cette nouvelle gare, parce que la gare de Napoléon III, c'est l'ancienne gare, la gare
Guillaume II, c'est la nouvelle gare. Et cette gare qui est quand même magnifiquement allemande, magnifiquement teutonne. Hein, et magnifiquement la plus belle gare de France aussi. Et qui devient, par le hasard des internautes aujourd'hui, la plus belle gare de France. Donc c'est bien, c'est franco-allemand, c'est européen. Les Français trouvent que la plus belle gare de France est la plus allemande de toutes les gares. Quoi. Alors Metz, donc ville française aujourd'hui, qui a été ville allemande, finalement on pourrait dire ville européenne un petit peu. Mais oui, et puis si j'ajoute l'Italie. Et l'italienne, bien sûr, avec notamment la place Saint-Louis. Hein. La place Saint-Louis, le Frac qui est dans un très bel hôtel particulier qui est plutôt genre florentin ou San Gemignano, hein, avec ses tours patriciennes. Et puis même le musée de Metz avec ses créneaux, le grenier de Chèvrelon, oui, bien sûr, etc. Tout ça est très d'inspiration italienne, toute la colline Sainte-Croix. Donc moi j'aime bien parler, j'ai ajouté ça, il faut parler d'une architecture italo-franco-allemande. Très bien, bah, merci beaucoup. Merci Patrick pour donc cette visite à l'intérieur et en extérieur ici, donc dans ce quartier donc, du Fortin Luxembourg. C'était vraiment passionnant. Ben, en tous les cas, c'était une visite, je pense, que certains voudront faire, mais je préviens tout de suite, hélas, on ne peut pas y entrer. Voilà. Et puis, il vaut mieux d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'araignées quand même. Oui, aussi. L'ancien front Saint-Vincent, on vient de le voir au cours de cette visite, a énormément évolué au fil des décennies. D'une île marécageuse au XVIIIe siècle, elle devient un avant-poste de défense qui évoluera sous le Second Empire, puis sous l'annexion. Les constructions civiles et religieuses ont elles aussi évolué, et l'ancien temple de garnison en est l'exemple parfait. Construit entre 1875 et 1881, endommagé en partie durant la Seconde Guerre mondiale, puis plus largement détruit par un incendie en 1946, sa flèche trône aujourd'hui encore au cœur de ce quartier et participe même au visage vertical de Metz. Le fortin du square du Luxembourg peut être considéré comme un trait d'union architecturale et militaire entre les 18, 19e et 20e siècles à Metz. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'émission, donc la visite de ce fortin Luxembourg. Maintenant, je me dépêche parce qu'il y en a un qui m'attend en plateau, c'est Kevin Guriot. A tout de suite pour la suite en plateau. Et on se retrouve pour la suite de ce numéro Destination Moselle avec Kevin Guriot. Kevin Guriot, auteur et historien qu'on ne présente plus. Salut Kevin. Salut Tim. Alors, on vient de voyager au 19e siècle avec ce quartier du square du Luxembourg, quartier Belle-Île. On a également parlé du 18e siècle et de ce fameux nom, le maréchal duc de Belle-Île, qui a énormément contribué à transformer la ville de Metz tout au long du siècle des Lumières. Oui, alors le maréchal-duc de Belle-Île, pardon, est un personnage incontournable de l'histoire messine. C'est un personnage issu de la très grande aristocratie française. Il descend du fameux Fouquet, celui que Louis XIV a fait enfermer après la fête un petit peu trop luxueuse de Volvicomte. En tout cas, ce maréchal-duc de Belle-Île va se piquer d'urbanisme et va transformer la ville de Metz, notamment le centre-ville de Metz, puisque les abords même de la cathédrale vont être aménagés sous ce règne, on pourrait dire quasiment, du maréchal de Belle-Île, avec notamment un architecte dont le nom a été remis à l'honneur récemment, Jacques-François Blondel, qui va aménager la place d'armes, les abords de la cathédrale, puis c'est également le petit Saulcy avec la création de la place de la Comédie à l'époque. Donc oui, on est en plein siècle des Lumières qui cherche à faire la lumière, une nouvelle lumière sur notre ville. Oui, parce que la ville de Metz, à l'époque, on l'oublie parfois, mais il faut bien s'en rappeler, avant cette transformation du 18e siècle, la ville de Metz est encore une ville très étriquée, dans ses remparts, avec des rues très moyenâgeuses, très étroites, et on sort aussi de toutes les affreuses péripéties du 17e siècle. Oui, alors la ville de Metz, jusque dans les années 1700, est une ville médiévale encore, avec des ruelles étroites, on communique très mal d'un quartier à l'autre. Si on avait le temps d'aller aux archives départementales de la Moselle, je te montrerai, Tim, des documents
assez spectaculaires qui nous disent par exemple que certains bergers traversaient la cathédrale avec leurs troupeaux de moutons parce qu'on passait difficilement de la fournirie à la place de chambre. Alors le maréchal-duc de Belle-Île va faire réaménager tout ça, va créer par exemple la rue du Vivier qui contourne le chevet de la cathédrale. Il va également mettre fin à un véritable problème qui existait à Metz à l'époque, c'était le logement des soldats. Généralement, au XVIIe siècle, les soldats étaient logés chez l'habitant avec des tickets, en fait, on se présentait, on était logés chez l'habitant. Alors, le maréchal de Belle-Île va faire construire plusieurs forts, plusieurs casernes également, le fort Moselle, par exemple, qui va permettre de loger justement ses troupes et d'éviter à la population d'avoir à subir ce désagrément. Tu parlais il y a quelques instants de Jacques-François Blondel. Blondel, le plus grand architecte théoricien du XVIIIe siècle. Hein. Les seuls bâtiments qu'il a construits, c'est à Metz. Pourquoi à Metz ? Alors, Metz, on prétend que Metz défendait le royaume de France tout entier à l'époque. C'est une ville très importante, autant sur le plan stratégique que sur le plan symbolique. Hein. C'est une acquisition assez récente, tardive, du royaume de France. 1648, officiellement 1552. C'est les traités de Vestphalie, 1648, officieusement 1552. Mais c'est la capitale aussi de cette province des Trois Évêchés, province qui va jouer un rôle clé dans l'assimilation des territoires de l'Est de la France tout au long du XVIIIe siècle. La Lorraine deviendra, les duchés de Bar et de Lorraine deviendront français officiellement le 23 février 1766. Alors tu dis que Blondel est un des grands architectes du XVIIIe siècle. N'oublions pas Emmanuel Herré à Nancy qui va œuvrer quant à lui autour de la place Stanislas, la place royale à l'époque, qui est aussi incontournable du patrimoine lorrain. Bien sûr. Un petit mot sur le temple de garnison qu'on a vu donc durant cette visite et qu'on a vu d'ailleurs reconstruit hein, grâce aux projections 3D de Clément Dumais. Je tiens à le saluer. Un beau boulot. Ouais. Ce temple de garnison et plus globalement les constructions allemandes qu'il y a à Metz et qui sont nombreuses prouvent à quel point, après l'annexion, je fais un bond en avant, après l'annexion de 1870, la ville de Metz est importante pour l'Empire allemand. De la même manière que Metz défendait la France, Metz va devenir, à partir de 1870, la vitrine de l'Empire allemand, la porte d'entrée du Reich et une porte d'entrée que Guillaume II veut monumentale. Donc on va construire tout ce qu'on appelle aujourd'hui le triangle impérial, ce qu'on appelle à l'époque la Neustadt, la Villeneuve en fait, et puis également d'autres bâtiments, c'est le portail de Blondel par exemple, qui va être démonté et pour recevoir un nouveau portail de style néo-gothique, qui s'accorde davantage avec le style général de la cathédrale. C'est la construction du temple neuf également. Et puis, bien sûr, ce temple de garnison qui témoigne aussi de l'importance militaire stratégique de la ville de Metz. Accueillir aussi des fidèles protestants. Hein. Je parlais du temple neuf, c'est aussi le but. Alors, ce temple de garnison a quand même une tour qui mesure 1 mètre de plus que la tour de la Mutte. C'était la petite fierté teutonne, on va dire, de l'époque. Alors aujourd'hui, il ne reste plus que cette flèche, justement, hein, la nef a été détruite. On prétendait que les aiguilles de l'horloge du temple de garnison étaient en or. J'ai jamais pu vérifier, mais voilà, c'est un petit peu une des légendes urbaines de Metz. Toutes ces particularités hein, qui ont fait l'histoire de Metz participent aujourd'hui au charme hein, de cette ville qui est quand même un charme assez remarquable. C'est la fameuse skyline hein, que l'on retrouve un petit peu partout sur les objets vendus à l'office de tourisme de Metz par exemple. La tour de garnison, le temple neuf, la cathédrale, ça fait partie de notre panorama messin en fait. Très bien, merci beaucoup Kevin. Mais de rien. C'est sur cette dernière note historique, je vais y arriver, qu'on s'arrête. Ouais. Merci d'être venu. À bientôt. À très bientôt, Tim. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Destination Moselle. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. Coupé. Vous avez ces toiles ? Ah, ces araignées-là, je ne peux pas. Ça, c'est un truc. Regarde les araignées blanches, là. Ah oui. Oh, ça me... Je te suis. Ça te dit ? Fais attention, il y a une araignée, là. Oui, je l'ai vu. Non. Regarde pas derrière toi, chérie. C'est moi ? Non. Je peux tenir comme ça des heures.